We welcome you all in the name of Jesus. You may sit down. Please, you can sit down. We welcome you all in the name of Jesus. Now is the time that I want to listen to the woman square. I want to sing for the glory of God. When I will invite the woman of appreciation to come here forward to stand for God, clap your hands for the glory of God, to make peace for both of you. Amen. But come to this question, we are all in the name of Jesus. Let's give a little smile for both of you. Let's give a little smile for both of you. Thank you, Lord Jesus. Thank you.
You want to dance for the glory of God. Hallelujah. Please make up and stand up, Lord God. I beg of you, please stand up. You want to dance for the glory of God. So I don't have to be in the name of the Lord. I don't know what you. Thank you.
Alléluia. Alléluia. Thank you.
qui ont compris la grandeur de Dieu, quand ils ont acclamé, elles se sont mis debout pour acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Merci pour toi qui es là. Si on peut m'arranger le micro. If you can fix the mics. Amen. Amen. Parce que je sais que Dieu veut bénir la vie d'une personne aujourd'hui. Because I believe God wants to bless someone. Je sais que Dieu veut bénir la vie d'une personne aujourd'hui. God wants to bless someone's life today. C'est un rendez-vous divin, bien-aimé. It's a divine meeting. Nous sommes là pour Dieu. We are here for God. Personne n'a quitté sa maison pour venir rencontrer une personne. No one left their home to come meet another. Et nous sommes venus pour rencontrer Dieu. God. Et Dieu est présent. And God is present. Yes. Dieu est présent. God is present. Parce que la Bible nous dit, là où il y a deux ou trois en son nom, il est là. Oh, est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Nous bénissons sa présence. We bless his presence. Amen. Amen. Nous bénissons la présence de notre Dieu. We bless the presence of our God. Nous commençons le mois de septembre. We started the month of September. Le neuvième mois. The ninth month. Un mois de prière et de sacrifice. A month of prayer and sacrifice. Amen. Toute une semaine, à partir de demain, starting tomorrow, a whole week, à 5h du matin, nous aurons des prières d'une heure. So, it's 5 a.m. Okay. 5 a.m, we're going to pray for an hour, starting tomorrow. Je serai online. Pastor will be online. Dans mon Facebook. On his Facebook. Et je vais prier avec vous pendant une heure. And he's going to pray with you. Avant que tu partes au travail, tu pries, bien-aimé. Before going to work, tu commences la journée avec Dieu. You start the day with God. Amen. Amen. Et si tu n'es pas connecté, je vais mettre le téléphone est en ligne. So pastor's going to be online on Facebook and donc, also available. Tu peux suivre mon téléphone. Comme tu peux me suivre online. You can follow him online. À partir online de demain, conference à 5h du matin. Starting tomorrow. Ça sera pour 7 jours. This will be for 7 days. Jusqu'au dimanche. Until Sunday. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi le message? Someone following. À partir de demain, qu'est-ce que nous allons faire? Prière. À quelle heure? 5h à 6h du matin. Amen. Starting tomorrow, we're going to pray 5 to 6. Un mois de prière, un mois de sacrifice. It's a month of prayer, a month of sacrifice. Amen. Je sais que le jeu regarde 5h. C'est comme ça que Dieu bénit quand on se sacrifie. That's how God blesses when we sacrifice. Nous ne savons pas ce que le diable prépare. We do not know what the devil's preparing. Mais nous devons, bien-aimés, l'attaquer en avance. We must attack him in advance. Amen. Yes. On doit changer de stratégie. We must change our tactics. Amen. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. Aujourd'hui, je vais parler d'un terme très capital. Today, pastor is going to speak on an important thing. Par rapport à ces mois. According to this month. Je vais parler de ce terme, une flamme de feu. He's going to speak about a flame of fire. Une flamme de feu. A flame of fire. En d'autres termes. In other words. Dieu veut que toi God et wants moi, you and nous I soyons une flamme de feu. To be flames of fire. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. I thought someone would say amen. Ça c'est la volonté de Dieu. That is God's will. Ça, vous allez comprendre un secret. You will understand the secret. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment invoquer le feu. There's so many children that like to call out fire. Mais quand nous invoquons le feu, but when we call out le fire, feu n'auront pas bien aimé ou qu'on n'aura pas les effets. Fire will not take the effect of si fire. Toi qui l'invoque, if you that call n'es pas une flamme de feu, if you're not a flame yourself. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est moi. That's why this month, s'il y a des gens qui sont refroidis, if people have become cold, nous allons réchauffer le feu de Dieu. You need to reheat the fire of God. Voilà pourquoi ça c'est la volonté de Dieu. That is God's will. Amen. Amen. Le feu de Dieu. The même fire quand l'ennemi viendra. Even when your enemies mais quand il viendra, il verra en toi le feu. But when they come and find fire in you. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. We're going to open up our Bibles. Nous allons lire un verset. We're going to read a verse. Nous sommes dans Hébreux. We're opening up the books of Hebrews. Chapitre 1. Chapter 1. Verset 7. Verse 7. Le même passage, nous allons. Vous pouvez encore, pour ceux qui écrivent. For those that are writing. Vous allez retrouver le même passage dans Psaume 104. The same passage is in Psalm 104.
Le verset 4. Verse 4. Mais je voudrais que nous puissions lire Hébreux chapitre 1, verset 7. So we're going to read Hebrews chapter 1, verse 7. C'est là où nous allons utiliser ce passage comme notre texte de base. We're going to use this passage as our base text. Mon thème, c'est une flamme de feu. Pastor's theme is a flame of fire. Si tu as trouvé, if you found it, nous allons honorer l'auteur de la parole de Dieu. Honor the author of the word of God. Hébreux chapitre 1 verset 7. Hebrews chapter 1 verse 7. Alors nous lisons tous. We all read. J'espère que tu as trouvé, n'est-ce pas? I believe you found it. Alors nous lisons. 1, 2. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits. N'est-ce pas? Oui, devant des esprits, oui, c'est la même chose. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Reprenons encore le texte. De plus, il dit à ses anges, il fait de ses anges devant ou bien de ses esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça, c'est Dieu. Il fait de ses anges. That is God. He makes des esprits ou le vent, spirits or wings, mais de ses serviteurs et servantes, but from his servants, une flamme de feu. He makes them flames. Amen. Of fire. Merci, tu peux reprendre ta place. You may be seated. Ça, c'est la volonté de Dieu. That is God's will. En d'autres termes, in other words, Dieu dit, God says, il fait de ses anges, he makes his angels, des esprits, spirits, mais de ses serviteurs, by his servants, de ses servantes, une flamme de feu. He makes a flame of Dieu fire. Veut que tu sois une flamme de feu. God wants you to be a flame of fire. Que en toi, bien-aimé, que le feu soit dans ta vie. Let there be fire in your life. Vous savez, quand je parle du feu, when pastor speaks of fire, le feu signifie beaucoup de choses. Fire means so many things. Mais aujourd'hui, le feu, c'est l'image ou encore le symbole de l'Esprit de But Dieu. Today the fire is la puissance même de Dieu. Or the symbol of the power Mais of dans words. La Bible, le feu signifie beaucoup de choses. But in the Bible, fire has so much significance. Le feu peut signifier le problème. Fire can mean problems. Amen. Amen. Voilà pourquoi Isaïe dit même quand je marche sur le feu, That's donc why le feu ne va pas m'embraser. Donc il parle de problèmes. Even if I walk through fire, fire will not harm me. He's speaking of problems. Le feu nous parle de l'enfer aussi. Fire speaks of hell also. Le diable sera jeté dans le feu. The devil will be thrown into fire, eternal fire. Amen. Amen. Le feu, bien-aimé, peut être aussi un feu étranger, le diable lui-même. Fire could be a foreign fire, the devil il himself. Il amène un feu étranger. He brings foreign fire in our lives. Mais le Dieu que nous servons, but the God that we la serve, lui-même est aussi le feu de Dieu. The Bible says he's a devouring fire. Amen. Amen. Voyez bien-aimé le feu. You mean mais aujourd'hui, je ne parle pas du feu comme problème. But today we're not speaking ni about fait, the problem, no hell. Mais je parle du feu. But we're speaking of fire. Comme puissance. As power, comme esprit de Dieu. As spirit of God. Comme le feu que Dieu allume en nous. As the fire God enlightens in le us. Le feu qui est capable de donner la vie. Fire that's able to give life. La force. Strength. La détermination. Determination. Le feu qui est capable d'enlever tout ce qui est faiblesse dans notre vie. Fire that's able to take out all weaknesses in our lives. Béni soit le nom de l'Éternel. Let the name of the Lord be blessed. Amen. Amen. C'est très très capital. It's very important, my beloved. Le feu. Fire. C'est là où il y a le feu. Where there is fire. Le diable appelle. The devil calls. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure. Nous aimons invoquer le feu. We love to call ce qui n'est pas mon feu. It's not bad. Mais la personne qui invoque le feu, but the person lui doit fire, avoir le feu. Himself must have the flame in them. Amen. Parce que quand tu invoques Seigneur, feu. When you say Lord, fire. Parce que le feu que tu invoques a beaucoup de choses qu'il fait dans notre vie. Because the fire you call out, there's so many things they do into our lives. Quand tu invoques le feu, when you call out fire. Quand tu invoques le feu pour que le feu détruise les œuvres du diable. Maybe you call fire to burn the works of the mais devil. Mais dans ta vie même, il y a les œuvres du diable. But in your life, there could be the works of the devil. Dieu ne peut pas descendre dans son feu. God cannot come down in his fire. Pendant que toi tu l'invoques, whilst you're calling le œuvres du diable, to destroy the works mais en toi il y a des œuvres du diable. But in you
there's the works of the devil. In other words, you're calling God to destroy you also. Is someone following? Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons une flamme de feu. That's what God wants us to be, flames of fire. Amen. 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 Je sais que la vie d'une personne sera changée dans cette salle. We know that someone's life will be changed in this hall. Dieu sait pourquoi il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Why he made his servants flames of fire. Si l'église est remplie de hommes et de femmes, if the church is full of men and women, de feu de Dieu, of fire of God, bien aimé, le diable a un problème. My brother, the devil has a serious problem. Parce que Dieu va te communiquer le zèle. Because God will communicate to la you force the de travailler pour lui. To work for parce him. Que tu ne le feras pas par tes propres efforts, mais par la puissance de Dieu. But by the power of God. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai dit béni soit le nom de l'Éternel. Nous allons voir dans la Bible, we will see in the Bible que le feu amène la différence. That fire makes a difference. Le premier point que je vais partager ensemble the avec first vous, point we're gonna share with l'impact you, du feu. The impact of fire. L'impact du Saint-Esprit. Or the impact of the Holy Spirit. Amen. Amen. Le feu, le Saint-Esprit. Fire, the nous Holy avons Spirit. Besoin du feu, bien-aimé. We need fire, my même dans notre prière. Even in our prayers. Dans nos cultes. In our church service. Dans notre temps de méditation. In our time of meditation. Nous avons besoin du feu. We need fire. Béni soit le nom de l'Éternel. Let the name of the Lord be blessed. L'église primitive a commencé avec la puissance du feu. The church started with the power of fire. Parce que le jour de la Pentecôte. Because the day of the Pentecôt. Dans chapitre 2. In Acts chapter 2. La Bible dit. The Bible says. Il y a eu le feu qui est descendu. Fire came down. Dans la naissance même de l'église. The birth of the church. A commencé avec la puissance du Saint-Esprit. Was born upon the power of the Holy Spirit. La puissance du feu. The power of fire. C'est ça qui a fait la différence. That's what made it. Dans la vie des apôtres, in the lives of the apostles, before the Holy Spirit, et le jour où le Saint-Esprit est descendu, and the day the Holy Spirit came down, qui sont dans notre vie, in our lives, en tant qu'enfants de Dieu, as children il faut qu'il y ait cette différence. We need to have a difference. Quand tu reçois le feu, when you receive the fire, quand tu es baptisé du feu de Dieu, when you're baptized by fire, quand tu deviens une flamme de feu, when you become a flame of fire, bien aimé, les choses doivent changer dans ta vie. Things in your life must change. Je dis que les choses doivent changer dans ta vie. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai dit béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. 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 L'impact du feu du Saint-Esprit. Impact of the fire of the Holy Spirit. L'impact. Impact. Nous connaissons l'homme comme Pierre. We know a man like Peter. Pierre qui était avec Jésus. Peter that was with Jesus. Pierre qui a fait beaucoup de choses. Peter that done so many things. Des erreurs comme de bonnes choses. So many errors and good. Mais c'était avant que le Saint-Esprit ne descende. That was before the Holy Spirit avant came down. Que le feu de descende. Before fire came mais c'est même Pierre. But the same qui pouvait régner devant Jésus devant une femme. That could reign before Jesus. Avant le feu du Saint-Esprit. Before the fire of the mais Holy Spirit. Mais quand le feu du Saint-Esprit descendu. But when the fire of the Holy Spirit came il a eu l'assurance. He had the assurance. Il a eu le pouvoir. He had the courage. De proclamer le nom de Jésus. To proclaim the même name là of Jesus. Où aimé, il y avait le danger de mort. Even where there was danger of death. Parce qu'en lui, il y avait le feu. Because in him there was a fire. Il y avait une nouvelle force. There was a new strength. Mais le feu doit changer notre vie. Must change our lives. Je parle du feu. We're speaking about fire. Voilà pourquoi bien aimé aujourd'hui. That's why tu vas demander Seigneur. You say, Lord, je veux que tu me fasses une flamme de feu. I want you to make me a flame of fire. Une flamme de feu. A flame of fire. Amen. Amen. Une flamme de feu. A flame béni soit le nom de l'Éternel. The name of the Lord be blessed. La Bible déclare, bien aimé. The Bible declares que Dieu that God nous baptise du Saint-Esprit et du feu. Baptizes us with the Holy Spirit and fire. Capital. It's very important. Vous savez la première des choses. Do you know the first thing? Pour cette personne qui a le feu. For someone that has fire. La première des choses, Dieu va commencer à briser les liens dans ta vie. The first thing is God will start breaking all curses in your life. Parce qu'il ne peut pas, bien aimé, avoir de liens dans ta vie. Because they cannot be cursed. Pendant que le feu de Dieu est là. Whilst the fire parce of God is le there. Le feu de Dieu est capable de briser et de brûler les liens et le fil satanique et diabolique dans ta vie. The fire of God is able to break, to burn any satanic alliances. Nous connaissons bien aimé dans Juges, notez ces mains, on n'a pas le temps de lire. Notez Juges chapitre 15. Judges chapter 15. Le verset 14. Verse 14.
La Bible nous dit ceci. The Bible says this. À la maison, vous pouvez lire à partir du verset 11 à 20. I heard you can read from verse 11 to 20. Ici, on parle de Samson. They're speaking about Samson. Mais je vais lire le verset 14. We're going to read verse 14. La Bible nous dit ceci. The Bible says this. Alors que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Ça, on parle de Samson. L'Esprit de Dieu saisit Samson. The Spirit of God seized Samson. Samson était lié. Il y avait des cordes. Samson was tied up. Il était lié, enchaîné. Tied up, chained. Mais quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de feu est descendu dans sa vie, il y a eu des choses qui se sont passées. Le corps de qui il est lié, the body that les chaînes qui étaient avec lui, étaient brûlées, étaient coupées. La Bible nous dit ceci. Alors que l'Esprit de l'Éternel les saisit, le corps de qui il avait au bras devint comme de lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je crois today, Pastor believes que le feu de Dieu that the fire qui va descendre dans ta vie, that will come down si ce feu rencontre des liens, that meets de cordes, ce feu va brûler cela. This fire ce feu va briser cela. It will destroy Dieu veut que tu sois libre. God wants you to je dis que Dieu veut que tu sois libre. God wants you Dieu to veut be que free. Nous soyons libres. God wants us mais to tu be peux free. Être libre s'il n'y a pas le feu du but Saint. You cannot be free if there's no fire of the voilà Holy Spirit. Aujourd'hui, nous allons invoquer le feu. That's why today we're going to call out the fire of the Holy Spirit. Tu dois devenir une flamme de feu. You must become a flame of fire today. Alléluia. Samson était lié. Samson was tied mais up. Le Saint-Esprit. But the Holy Spirit. L'Esprit de feu. The Spirit of fire. Seized him. Automatiquement. Automatically. La Bible déclare. The Bible declares. Que les chaînes étaient coupées. That the chains were broken. Que il était but why are we still chained up? Pourquoi nous continuons à être dans le lien satanique? Why are we still in the satanic alliance? Est-ce que tu es une flamme de feu ou pas? Are you a flame of fire or not? Amen. Est-ce que tu es une flamme de feu? Are you a flame of fire? Parce que quand le feu descend, because when fire comes down, des liens, where there is curses, le feu va briser ces liens. Fire must break this. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons invoquer le feu. That's why today we're going to call out the fire of God. Et il y a une deuxième chose. There's a second thing. Pas seulement le feu quand le feu va descendre. Not only when the fire le feu va briser le lien. The fire must break all curses. Mais quand le feu descend, when fire comes le feu est capable de sanctifier, de te purifier, de te purifier. Fire can sanctify you and purify you. Voyez bien la différence maintenant. See the difference. Quand nous invoquons le feu, when we call out fire, il y a beaucoup de gens qui invoquent le feu. So many people mais call sans savoir fire, l'impact de ce feu que nous invoquons. Without knowing the impacts of the fire. Donc, mais like a moto, you call fire. Mais vous voyez bien but you do not know what fire does to your body. Avant que tu n'invoques le feu qui va détruire tes ennemis. I'll destroy your enemies. Il faut t'assurer que ce feu a fait déjà un travail dans you should be sure that this fire has done a work. Parce que Dieu veut que tu sois une flamme de because feu. God wants you to be a flame of fire. Alléluia. Amen. Savez le diable? You know the devil. Il rôde, cherchant qui va dévorer. Searching for who il y a des places quand il vient. The place when he goes. Il n'a pas l'accès. He has zero access. Il est entouré par le feu. You are entourage by fire. Amen. Tu es entouré par le feu. You're surrounded by the fire of God. Donc le feu purifie. Fire purifies. Nous connaissons l'exemple de l'eau. You know the example of gold. Même dans 1 Corinthiens, bien aimé, la Bible nous donne, ne sait pas vous noter 1 Corinthiens 3:13. Even in 1 Corinthians 3:13. Comment Dieu par le feu éprouve l'eau? How God by fire tests gold. Amen. Quand nous brûlons l'or, when gold is burnt, c'est là qu'on peut avoir maintenant l'or pur. That's where you get pure gold. Mais le feu va nous aider à enlever les saletés. But fire will help you remove the rubbish. Quand le feu vient dans notre vie, when fire comes to our lives, ce feu va faire la différence. This fire will make va enlever le péché. It will take va away enlever sin. Tout ce qui dépend de Dieu. It will take away everything parce that's not Dieu good. Veut que tu sois réellement because une flamme. God wants you to be a real flame. Que tu sois dangereux. For you to be que tu sois dangereux.
fire of God. Le feu de Dieu amène un changement. Fire of God brings a change. Même dans notre caractère. Even in our character. Voyez, vous avez remarqué le disciple. That's why you see the disciples. Comme je disais tout à l'heure. Like Pastor was saying. Dans Actes chapitre 3. In Acts chapter 3. C'est même les disciples qui avaient peur. The same disciples. Mais parce que l'onction était sur eux. But because the anointing was on them. Le Spirit de Dieu était sur eux. The Spirit of God was on them. Ils pouvaient les mettre devant ces boîtiers qui étaient à la porte. They can stand before the crippled or dire à ces boîtiers qui demandaient de l'argent. Say to the crippled man that's asking for money. Ils ont déclaré. They declared. Que nous n'avons pas l'or. We don't have gold. Nous n'avons pas l'argent. We don't have money. Mais ce que nous avons, c'est ce que nous allons te donner. Is what we'll give you. Lève-toi au nom de Jésus. Stand up in the name of Jesus. Parce que le feu du Saint-Esprit because était the dans fire of the Holy Spirit was in their lives. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le boîtier s'est levé. That's how the crippled man stood up. Parce que les gens qui parlaient, because the people that were speaking, ils avaient l'onction de Dieu. They had the anointing of God. De Dieu dans they had the fire of God in their lives. And God manifested himself. Fire in your life is very important. Je dis que le feu dans la vie est capital. Fire in life is very important. Dis à ton frère, à ta sœur, et tu as besoin du feu dans ta vie. Say to your brother and sister, you need fire in your life. Dis que tu as besoin du feu dans ta vie. You need fire in your life. Vous savez, do you know? Ce qui me fait mal. What hurts the pastor? Quand je vois des enfants de Dieu s'engager dans le combat spirituel. When you see children of God going to spiritual et quand battle, tu regardes leur vie. And when you look at their lives. Ils vivent une vie de désordre. They live a life of disorder. Mais ils ont la force d'aller prier. But they have the strength ils to go pray. Ils prient avec toute la force. They pray with all their strength. Et ils font les péchés avec toute la force. And they sin with all their strength as well. Alors on sait pas dans une confusion totale. And there's a total confusion. Et là où voyez les gens trembler. Where you see fire, people shake fire and fire and more fire. Ha! Mais nous blaguons avec Jésus. You're joking. Vous savez dans Acts chapter 19. In Acts chapter 19. On nous parle de l'histoire. They speak about des enfants de Séphan. Of the children of Séphan. Ces enfants. They wanted to joke with fire. Voulez blaguer avec le feu. They wanted to joke with fire. Ne blaguez jamais avec le feu. My beloved, you should never joke with fire. Le feu. When you call out fire, que c'est pour détruire les tiens. Believing it to destroy the devil. Mais si toi-même tu n'es pas une flamme de feu. If yourself you're not a flame of fire. Ça va commencer à causer des dégâts dans ta vie. You will burn yourself in your voilà life. Pourquoi nous avons beaucoup de gens. That's why we have so many that go around himself in Dieu. Because there's no fear of God. Ils prétendent qu'ils aiment Dieu. They pretend to love God. Mais ce qu'ils font, but what they le contraire de ce que Dieu nous demande. Is the opposite of what God asks. Amen. 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 Mais des fois quand je réalise. Sometimes when pastor realizes. La vie des enfants de Dieu. The life of children of God. Je me suis dit Seigneur aide-nous. He says Lord help us. Vous savez ces enfants de Séphan. You know the children of Séphan. Ils ont vu un homme qui avait une flamme de feu Paul. They saw a man who had a flame of fire. Paul chassait les démons. And Paul chased that demon. Paul s'est levé contre les esprits. And Paul stood up against evil spirits. Ils ont vu Jésus lui-même s'est levé. They saw Jesus himself stand up. Alors un jour, so one day, de chercher qui elle-même devient une flamme de feu. Instead of searching to become flames of fire. Non, ils se sont hasardés bien aller chasser les démons. So they went to go chase out demons. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé. They saw someone that was possessed. Et ils se sont approchés. And they approached. Et ils ont commencé à dire au nom de Jésus que Paul. In the name of Jesus that Paul uses. Pour chasser les démons. To chase our demons. Mais quand tu es devant les démons. But you're before a demon. Donc tu n'es même pas sûr. You're not even sure. Que tu as l'autorité. That you have the authority. Que tu as la puissance. That you have the power. Bien aimé, le diable existe. The devil exists. Je dis que le diable existe. The devil exists. Dieu existe. Dieu est tout puissant. God exists. God is le diable existe. The devil also on exists. On ne peut pas nier, bien aimé, la force du diable. We cannot tie our ignore the devil. On ne peut pas négliger, bien aimé, le diable. We cannot neglect the devil. Nous n'avons pas peur de lui. We're not scared of mais him. Mais on ne doit pas négliger sa présence. We should not neglect his presence. Parce qu'il est notre adversaire. But he is our enemy. Et un adversaire, tu dois prendre soin de lui. And an enemy, you must parce serve. Parce que l'adversaire cherche à tout prix à avoir la victoire sur toi. But an enemy tries all they can to have a gold upon you. Même si aujourd'hui perdait, even if today mais demain il reviendra. Tomorrow he will come back. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être bien préparés. That's why we must be ready. Nous devons avoir le feu en nous. We need to have fire in us. Alléluia. Amen. Et les enfants.
So the children, ils ont vu, bien aimé, they saw quelqu'un qui était possédé. Someone else possessed. Et au nom de Jésus, in the name of Jesus, que Paul cite, that Paul calls Paul out, utilise, that Paul uses. Vous oubliez quand vous invoquez, et le diable il écoute la prière. Et Dieu écoute la prière. You forget when you call out God, God and envoyer. The devil hears the prayer. Dieu aussi a ses anges pour envoyer. God has his angels, the devil has his angels. Et quand ils ont chassé, and when they chased out, je crois que le diable attendait parce qu'on avait cité le nom de Jésus. Parce que c'est un nom bien aimé que le diable n'aime pas. Il y a quelque part le diable a senti qu'il y a un nom de Jésus, mais c'est comme si il n'y avait pas le feu dans ces eaux-là. Like le diable voulait fuir. Il tourne. Il commence à chercher la flamme. He starts to look for the flame. Est-ce qu'il y a le feu dans cette eau? Et ils ont réalisé que l'homme qui a utilisé le nom de Jésus n'avait même pas une flamme. He's not even a flame. N'avait même pas le feu. Hein. N'avait même pas l'autorité. No authority in them. Et le diable tout. And the devil turns. Contre la personne qui voulait le chasser. Against a person I wanted to. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Les démons. The demons. Que lui voulait chasser. That he wanted to. Sont tournés contre lui. Turned against. Et les démons l'ont tabassé. And the demons à mort. Took him to death. Alléluia. Il était tabassé à mort. He was beaten to death. Et il a fui. And he ran. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons être une flamme de feu. Beloved, we need to be flames of fire. Mais pour être une flamme de feu, but to be a flame of fire, il faut permettre au feu de faire son travail. You must allow fire to do its job. Il faut que le feu puisse te purifier. Fire needs to purify. Il faut que le feu puisse te sanctifier. Fire needs to sanctify you. Alléluia. Il faut que tu deviennes une flamme de feu. You need to become a flame of quand fire. Quand tu sens le feu de Dieu, when you pray. Quand tu sens le feu de Dieu, quand tu chantes, tu sens le feu de Dieu. Quand tu es dans ta maison, tu sens la maison environnée par le feu de Dieu. Your home, the house is around with fire. Alléluia. Une flamme de feu. Flames of fire. Je dis une flamme de feu. Flames of fire. Une flamme de feu. Flames of fire. Une flamme de feu. Flames of fire. Béni soit le nom de l'Éternel. The name of the Lord be blessed. Ça veut dire là où il y a le feu. Where there is fire. Même les sorciers. Even sorcerers. Il faut commencer bien, mais elle-même a dit que non, je ne peux plus. They will say they cannot. They cannot no more. Toujours dans ce chapitre 19. Still in the chapter 19. Comment la puissance de Dieu s'est manifestée? When the power of God. Les gens qui appliquaient la magie. People that were les gens qui étaient dans le domaine des bénémoines noirs. People that were in God's domain. Ils venaient avec leur magie. They came devant les apôtres parce qu'ils ont vu la différence. They saw the difference. Ils ont vu la différence. They saw the difference. Et c'est ça, c'est la volonté de Dieu. That is God. Il a fait de ses anges des esprits de feu. Mais de ses serviteurs, une flamme de feu. But his servants are flames of fire. Une flamme de feu. Flames of fire. Comment bien aimé, tu as besoin d'avoir une flamme de feu? La prière, tu n'aimes même pas la prière. How can you be a flame of fire when you don't even pray? Tu veux réellement avoir être une flamme de feu. À l'église, il faut qu'on puisse bien aimé te supplier pour venir. You want to become a flame of fire, but you need to be begged to attend church. Quand on parle de formation, bien aimé, il faut bien aimé qu'on puisse te supplier. When we speak of formation, we must beg. Quand on dit que nous allons prier à partir de 5h du matin, toi tu continues à dormir. When we say you must pray from 5 a.m. you're still et tu veux bien aimé que le feu se manifeste. And you want fire to be manifested in you, no. Ça demande un sacrifice. It takes a sacrifice. Lévitique chapitre 6, bien aimé verset 6 nous dit que le feu ne s'éteigne point. Do not let your fire die out. Que le feu ne s'éteigne point. Do not let your fire die out. Que le feu ne s'éteigne point. Do not let your fire die out. En tant que nous avons un devoir à garder le feu. In other words, we have work to keep the fire. Les mamans savent. Mother knows. If you have fire, il y a de bois. There's wood. Et que le feu là. There's fire there. Qu'est-ce qui fera que le feu reste? What will make the fire stay? Il faut que chaque fois tu enlèves la cendre. You need to take away every time the dust. Quand il y a de bois, il y a le feu. When there's a c'est que les mamans, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des villageois comme nous. People are not villagers like us. Ou encore des gens qui n'ont pas préparé avec le bois là. People that haven't. Mais quand vous mettez us. Le bois. When you put wood. Quand il y a le feu. When there's fire. Il faut bien mettre tout le temps. Comment? You need to continue to blow. En français, c'est comment? You need to blow.
C'est compliqué. C'est compliqué, papa. Même toi, c'est compliqué. Papa, maintenant, au pipo là, en français, c'est quoi? C'est blanc. Hein? Tout blanc, en anglais, non? Hein? Souffler. Ah, souffler, ça sonne. Ça sonne. Amen. Mais bref, si tu veux garder, bien aimé, le feu, il faut enlever la cendre. La cendre, c'est l'image du péché. That is the image of sin. Là où il y a le péché, le feu va s'éteindre. Where there is fire, I mean sin, fire will die out. Bien aimé, tu as besoin du feu dans ta vie. You need to take the fire in your life. Il faut fuir le péché. To keep the fire in your life, you need to run away from sin. Toi, tu as besoin que le feu descende. You need the fire to come down in you. Même Élie, quand il a défié les prophètes de Baal. Even when Eli destroyed the prophets of Baal. Quand le Baal a fait leurs histoires, quand Élie est venu, il a renversé l'autel. First of all, he broke the altar. Il a jeté de l'eau. Il a rebattu l'autel. Et c'est alors qu'il a invoqué le feu. And that's when he called out fire. Amen. Amen. Là où il y a le péché, il n'y a pas le feu. Where there is sin, there's no fire. Même si vous faites semblant, mais ça peut avoir le feu étranger, mais pas le feu de Dieu. Even if you pretend, it could be foreign fire, but that's not fire. Parce que même dans l'église, because les choses que nous appelons l'onction, c'est pas l'onction, c'est le feu étranger. Foreign anointing is not good. L'onction change. Anointing changes. Anointing transforms. Anointing brings a difference. Amen. L'onction fait la différence. Anointing brings a difference. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur, je suis une flamme de feu. I am a flame of fire. Oui, dis-lui, je suis une flamme de feu. I am a flame of fire. Alléluia. Le flamme de feu. Flame of fire. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi Proverbe 26, 20 nous dit. Proverbs 26 says. Faute du bois. Lack of wood. Le feu s'éteint. Fire dies. Proverbe 26. Proverbs 26. Verset 20. Verse 20. La Bible déclare faute du bois. Due to lack of le feu s'éteint. The fire dies out. En d'autres termes, là où il n'y a pas le bois. In other words, where there's no wood. Le bois peut signifier beaucoup de choses. Le bois peut être la prière. Wood can be prayer. Peut être le jeûne. Wood can be fasting. Peut être le sacrifice. Wood can be sacrifice. Peut être la méditation. Wood can be meditation. Quand il n'y a pas le bois. When there's no wood. Le feu s'éteint. There is no fire. Le feu s'éteint. Fire dies out. Oh, nous avons besoin de garder we le feu. We need to keep the fire. Je dis que nous avons besoin de garder le feu. We need to keep nous avons the besoin on. De garder le feu. We need to keep the fire on. Alléluia. Amen. Alléluia. Même le feu change. Fire changes. Que tu le feu change. Fire changes. Quelqu'un qui a le feu. Someone that has fire. Les gens qui te connaissaient. People that knew you. Ils diront ça c'est une autre personne. They'll say this is a different person. Vous savez les gens qui ont connu les apôtres. People that knew the apostles. Quand ils ont vu l'assurance dans la vie des gens. When they saw the assurance in their lives. Ces gens. They said these people. Des gens sans instruction. These people had no instructions. Comment ces gens peuvent avoir cette assurance? How can they have this assurance? Parce qu'ils ont vu. Because they saw a changement dans leur vie. A change in their lives. Amen. 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 Mais je vais vous parler une chose. But we're going to speak of one thing. Nous voyons l'impact du fait que le feu change, protège, transforme. We see fire changes, transforms. Mais nous avons ce que nous appelons le feu défensif et le feu offensif. We have the offensive of fire and the defensive fire. Follow the pastor. Le feu est bien. Fire is good. Quand toi-même tu es une flamme de feu. When you're a flame of fire yourself. Il y a des moments où tu as besoin d'invoquer le feu de Dieu. There are moments you need to call out God's fire. Comme défense. As a defense. En d'autres termes. In other words. Peut-être toi tu ne vois pas ça. Maybe you cannot see. Mais tu dois comprendre que dans notre vie. But you need to understand that in our lives. Il y a le feu de Dieu qui nous garde. There's a fire of God that protects us. Les enfants qui ont le feu de Dieu. Children that have the fire of God. There's a fire that also surrounds us that protects us. Vous vous souvenez de l'histoire d'Élisée? Remember the story of Elisha? Ils étaient dans une ville, un village d'autant. Elisha was in a village. Ils étaient entourés. They were surrounded. Les Syriens sont venus les attaquer. The Syrians came to attack them. Et le grand matin, son serviteur est sorti. And in the morning, the servant. Il a vu le char. He saw the chariot. Il a vu qu'ils étaient en danger. He saw that they were in danger. Et il est entré pour dire à Élisée. He went to tell Elisha. Tes maîtres, nous sommes en danger. Master, we're in danger. Nous sommes entourés par une armée forte. Master was surrounded by an army.
Et Élisée, and Elisha, il dit à son serviteur, said to his servant, n'aie pas peur. Do not nous fear. Sommes plus nombreux que ces gens. We are more numerous than the people that you see. Mais son serviteur ne croyait pas. But his servant did not believe. Et il a fait, et plutôt Élisée a fait une prière. Elisha did a prayer. Pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. To open the eyes of his servant. En d'autres termes, Élisée savait. In other words, Elisha, qu'il y avait le feu qui le protégeait. Malgré qu'il y avait les ennemis. Yes, mais le feu de Dieu était là pour les protéger. My beloved, si tu vois le feu de Dieu, if you have il y a aussi le feu de Dieu qui va te protéger. The fire of God that will protect donc you. Je dis, si tu es une flamme de feu, if you're a flame of fire, mais même dans ta maison, in your home, là où tu es, where you are, il y a le feu de Dieu qui te protège. Fire of God that protects you. C'est ce que j'appelle le feu, mais les mains de la défensive. That's what we call the fire that comes to your defense. Et disait ainsi. Elisha was sure qu'il y avait la protection. That there was protection. Je prie que Dieu par son feu puisse te protéger. Puisse protéger ta famille. To protect your family. Mais à une seule condition. But to what condition? Tu sois une flamme de feu. But for yourself to be a flame of fire. Tu dois être une flamme de feu. You need to be a flame c'est of fire. Après la prière. That's what after prayer. Son serviteur. His servant. Quand il est sorti. When he came out. Il n'a plus vu l'armée. He no longer saw the army. Mais ces gens qui avaient peur. But the people mais scared. Il a vu maintenant le char de feu. But he saw the chariot of fire. Il a vu le feu de Dieu. He saw God's fire. Qui protégeait là où ils étaient. That protected where they were. Que Dieu par son feu protège let ta sainte. Que Dieu par son feu protège ta maison. Let God by je déclare que Dieu par son feu protège tes enfants. Protège ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous allez vous souvenir des enfants d'Israël. You remember the children of Israel. Dans le désert. In the desert. La Bible nous dit pendant la journée. The Bible says ils étaient conduits par la colonne de nuée. They were led by a colonne. Mais pendant la nuit. But in the night. Par la colonne de feu. But it was led donc by il y avait le feu qui les protégeait. The fire that protected them. Amen. Donc dans la vie des enfants de Dieu. In the life of children of God. Nous devons prier. We need to pray. Que le feu de Dieu. For the fire of soit comme notre défense. To be our defense. Quand l'ennemi vient pour attaquer. When the enemy comes qui voit le feu, mais qui t'entoure. See the fire around us. Qui voit le feu, mais qui te protège. See the fire that protects us. Qui voit le feu, mais qui protège ta maison. To see the fire that protects your home. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Oh que Dieu soit loué. Voilà pourquoi même quand les sorciers s'élèvent de ton village, quand ils viendront, bien aimé, ils verront le feu. Je dis, ils verront le feu. Ils verront le feu. Ils verront le feu. Nous avons besoin du feu. We need fire. Alléluia. Amen. Mais pour avoir le feu, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Il y a la prière. There's prayer. Il y a le jeûne. There's il y a des sacrifices. There are sacrifices. Il y a des choses à faire. Pour garder le feu, tu as besoin du bois. To keep fire, you need wood. Sans le bois, le feu s'éteint. Without wood, the fire dies. Amen. L'Église de Dieu, nous avons besoin d'être protégés par Dieu. We need to be protected by God. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous lisions ce passage. Pastor wants us to read this passage. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. Samuel, le feu n'est pas seulement défensif. Fire is not only there for defense. Mais le feu est aussi offensif. But fire is also there to on peut utiliser le feu pour attaquer. You can use fire to attack. Pour attaquer l'ennemi. You can use fire to attack. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 7. Chapter 7. Verset 9 à 14. Mais nous allons plus lire les versets 10. Verse 9 to 14, but we're mainly going to focus on verse 10. Amen. Amen. C'est dans ces passages que vous allez retrouver fameux cantiques Ebenezer. See the song Ebenezer, où on dit jusqu'ici tu m'as secouru. Where you say up until now the Lord has rescued me. Ça c'est David. That's David. Est-ce que tu es là? Je parle le feu
est aussi offensive. We said fire can also protect. Donc on peut utiliser le feu pour attaquer aussi les ennemis. You can use fire to attack the enemy. Quand les ennemis nous attaquent, when the enemy attacks, on est protégé par le feu. We're protected by fire. But sometimes, nous on peut aussi utiliser le feu we can use pour attaquer. To attack et them. Souvent, and most c'est of là où nous nous utilisons, nous les chrétiens. That's what we use Christians. Nous invoquons le feu pour attaquer. We use fire to attack. Nous envoyons le feu même dans le feu, je ne sais pas, dans des cimetières. We send fire. Nous envoyons le feu, je ne sais pas, dans des maisons des magiciens. We send fire to magician homes. C'est bien, c'est biblique. It's good, it's biblical. Mais avant d'y arriver, but before this arrives, tu dois être sûr que tu es une flamme de feu. You need to be sure that you're a flame of fire yourself. Amen. Être sûr que toi-même tu es une flamme de feu. You need to be sure of yourself. Sinon, otherwise, ça sera le contraire. It will be the opposite. Amen. Amen. Toi, tu vas chercher à calciner le diable, je ne sais pas, mais toi-même tu seras calciné. You will try and burn the devil, but you will end up being burned yourself. Ici, David était menacé. Hey, David was being menaced, being bothered. Écoute. Listen. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 7, versets 9 à 14. Lisons ensemble. Verset 9. Je vais lire ensemble avec toi. 1, 2. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel, avant de compter, vous savez, il y a toujours un secret dans le sacrifice. There's always a secret in sacrifice. Amen. Amen. Il a un problème. Then he had a problem. Mais avant d'aller plus loin, but before going il travel, pose un acte, il sacrifie. He makes an act. Il donne son offrande. He gives his offerings. Ça ouvre des portes. It opens up doors, my beloved. Ça tire la faveur de Dieu. It attracts favor of God. Il y avait un problème sérieux. It was a serious problem. Mais avant d'aller prier, but before il commence à poser un acte. He starts posing. Il donne son offrande. He gives his offering. Il donne le sacrifice. He gives his sacrifice. Et maintenant il vient invoquer Dieu. Et Dieu accorde l'offrande. Dieu a exaucé. Mais écoutez ce que Dieu a fait. Listen. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste ou son offrande, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre, car que le feu. Alléluia. Bien aimé, il était menacé. My beloved, he was there. Mais parce qu'il connaissait le secret. But because il a commencé à poser l'acte de l'offrande. He started putting acts of offering. Bien aimé, quand toi tu fais l'acte, tu ne sais pas ce qu'il est. Tu es le diable en train de le faire. You do not know what the devil did. Lui ne savait pas pendant qu'il a posé l'acte. He did not know. Or, le Philistin venait pour les attaquer. The Philistines were coming to attack. Mais parce que Dieu. But because God. A créé son offrande. Was happy with offering. Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Dieu a envoyé le tonnerre. God sent the tonnerre. Dieu a envoyé le feu. God sent fire. Dieu a envoyé le tonnerre. God sent fire. Dans le camp de l'ennemi. In the camp of the enemy. Alléluia. Amen. Dans le tonnerre ou le feu. So stand up. C'est une arme. It's a weapon. Offensé pour nous. That's there for the children. Quand l'ennemi vient, when the enemy comes, le Dieu du feu, the God of le fire, Dieu du feu dévorant, the devouring God of fire, est capable d'envoyer le feu. Is able to send fire. Alléluia. Amen. Toi, tu demandes à ce Dieu de descendre par son feu. You ask this God to come down by his vous fire. Vous savez même Eli. You know even Eli. Eli a posé d'abord le sacrifice et il a invoqué Dieu. First he posed the sacrifice. C'est alors que le feu est descendu. That's when fire le feu ne descend pas s'il n'y a pas de sacrifice. Fire does not come down if there's no sacrifice. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Is someone with us? No, il ne descend pas là où il n'y a pas de sacrifice. Where there's no sacrifice, there's no fire. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Nous continuons la lecture. Nous reprenons verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur le Philistin. Et les mit en déroute. Ils firent bâtir devant Israël. Verset 11. Les hommes d'Israël sortis de Mizpa poursuivaient le Philistin.
et de bâtir jusqu'au-dessus de Beth-Ka. Écoute verset 12 que nous aimons beaucoup. Samuel prit une pierre qui plaça entre Mitra et Shem et il l'appela du nom de Ben-Ezer en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secouris. Jusqu'ici l'Éternel nous a secouris. Mais jusqu'ici l'Éternel nous a secouris. Amen. Alléluia. Il a envoyé le feu. Je dis qu'il a envoyé quoi? Le feu. Fire. Donc ici, nous avons le feu qui nous protège. We have fire that protects. Mais nous avons aussi le feu qui attaque. And we have fire that attacks. Le feu qui attaque. Fire that attacks. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, tu dois rêver, tu dois rechercher le feu de Dieu dans ta maison. Dans ta maison, dans your home, in all that you do. Là où il y a le feu, where there is fire, le diable a le problème. The devil has a problem. Mais quand je parle du feu, but when pastors speak about fire, it could also say, someone, quelqu'un qui a le feu, il a aussi le zèle de servir. Someone has the fire, they have the zeal to serve God. Donc quand je parle de feu, c'est pas le feu comme le monde que vous, mais le feu a des effets. Fire has effects. Tu ne peux pas avoir le feu. You cannot have fire. Mais tu ne sers pas Dieu. But you do not serve God. Tu ne peux pas avoir le feu en toi. You cannot have the fire in you. Tu ne sais même pas évangéliser. But you do not know tu ne peux pas avoir le feu en toi. You cannot. Et tu ne sais même pas parler de Jésus. And you do not know how to speak about Jesus. No, no. Jérémie dit, Jeremiah, il voulait fermer sa bouche pour ne pas parler. He wanted to close his mouth. Mais en lui, il sent le feu derrière le dévoré. He felt the interior fire. Et c'est là qu'il a poussé de parler. Tu ne peux pas voir le feu poiser les bras, les feux, mais rien faire dans l'église. Cross your hands and do nothing in church. No. No. On reconnaît les gens qui ont le feu quand ils s'engagent dans l'œuvre de Dieu. People that have fire when they're engaged. Quand ils se donnent dans l'œuvre de Dieu. When they give them. Et c'est comme ça que Dieu va te protéger. And that's how God will protect you. Parce qu'il voit le feu en toi. He sees the fire. Et il va mettre son feu ici. And you put his fire all around you. Alléluia. Amen. Comment toi tu as le feu de Dieu? How do you have the fire of God? Mais même pour servir Dieu, but even to serve God, on doit te forcer. We need to push you. Non, non. Quelqu'un qui a le feu de Dieu, vous sentez le zèle. When someone has the fire of God, you feel the zeal in them. Sentez le zèle. You feel the joie de servir Dieu. The joy to serve God. La joie, bien aimé, de faire l'œuvre de Dieu. The joy to do the work. Parce qu'il y a le feu qui le pousse. Because there's a fire that's pushing them. Quelqu'un qui a le feu de Dieu, someone that has the fire, c'est quelqu'un qui aime la prière. It's someone that loves. Parce que la prière, c'est parmi le bois, bien aimé. Because prayer is amongst the Lord. Qui va garder le feu? That will keep the fire on. Quelqu'un qui a le feu. Someone that has fire. Quelqu'un qui aime adorer Dieu. Someone that loves to worship. Parce que l'adoration est parmi le bois qui garde le feu. Because a worship is amongst the points that builds the fire on. Toi qui a le feu, on adore Dieu. When you have fire, you worship. Dans l'église, mais c'est comme tu es spectateur. C'est quelqu'un qui est dans un stade, il regarde. Someone that's in the stadium watching. C'est quand les gens sont dans la adoration. And people are in worship. Sont dans la présence de Dieu. They're in the presence of God. Mais tu m'as dit que tu as le feu en toi. Non, non, non. You say you have fire in you. On reconnaît quelqu'un qui a le feu. We know someone that's fire. Quelqu'un qui est engagé. Someone that's engaged. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Someone that has the grace. Quelqu'un qui a la joie de servir Dieu. Someone that has the joy. Quelqu'un qui est présent dans des réunions de prière. Present in meeting prayers. Tu ne peux pas te retenir, bien aimé. God has said, il a fait de ses anges, he's made his angels, des esprits, des vents, spirits, mais de ses serviteurs, but his servants, des flammes, des feux, flames of fire. Ça c'est la volonté de Dieu. That is the will of God. Il fait que nous soyons des flammes. He wants us to be flames of fire. Et si l'église devient une flamme, if your church becomes a flame of fire, vous allez voir ce que Dieu va opérer. You will see what God will operate. Le plan de l'ennemi sera déjoué à cause de la puissance. The plan of the enemy will be destroyed. Amen. Même les sorciers vont commencer à abandonner à cause du feu de Dieu. Even sorcerers will start abandoning because ils of what. Ils ne viendront pas un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. They will come by one way, but they will run back on the same way because of the fire. À cause de la puissance. Because of vous allez voir les gens être convertis. You see people being converted. À cause de ton témoignage. Because of your testimony. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu. The fire of God. Une flamme de feu. A flame of fire. Ça, c'est la volonté de Dieu. That is God.
God's will. Dieu veut que nous soyons une flamme. God wants us to be flames. Amen. Someone with the pastor. This month of September. C'est un mois de prière. It's a month of prayer. C'est un mois de prière. It's a month of prayer. Nous avons besoin du feu. Voilà pourquoi je t'invite à te sacrifier. That's what pastor's calling you to sacrifice yourself. Les gens qui savent manier le, comment on appelle ça, le Facebook. People that know how to use Facebook. Pendant la prière, fais-moi signe que je vois qui est avec moi. During prayers, give pastors qui prie ensemble avec moi. Tell him you're there to know who's there. Just write your name. Just write your name. Je saurai qui. Pastor will know who. Amen. Amen. Parce que je veux que l'église s'élève. Because I want the church to stand up. Ça fait quand l'église s'élève. When the church stands up. Quand l'église s'élève. When the church stands up. Ça fait là où il y a le feu, il n'y a pas le sommeil. When there's fire, there's no spiritual sleep. Les gens vont se réveiller. People wake up. Alléluia. Amen. Les gens vont se réveiller. People will wake up. Vous allez voir la différence. You see a difference. La gloire de Dieu va être manifeste. The glory of God will be manifested. À cause du feu de Dieu. Because of God's fire. À cause du feu de Dieu. À cause du feu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Je prie. We pray. Que le feu. That the fire. Se manifeste dans ta vie. Be manifested in your life. Ça c'est ma prière. That's God's pastor. C'est moi ici. This month, que les choses changent. Let there be change. Tu étais froid. You was cold. Froid. You was cold. C'est moi. This month, que Dieu puisse nous réchauffer. Let God reheat you. C'est un mois de réchauffement. It's a month spirituel. To be reheated spiritually. C'est un mois de réchauffement spirituel. It's a month to be reheated. Je veux que nous devenions plus dangereux. We want us to become more dangerous. Dans le nom de l'ennemi. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Plus dangereux. More dangerous. À cause du feu. Because of fire. Je dis à cause du feu. Because of là où il y a le feu, il n'y a pas la négligence. Là où il y a le feu, il y a l'obéissance. When there's fire, there's obedience. Là où il y a le feu, il y a les sacrifices. When there's fire, there's sacrifices. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? Est-ce qu'il y a des champions dans cette salle? There are champions in this hall. Est-ce en slow? We are going somewhere. Est-ce en slow? We are going somewhere. The land of champions. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Lève-toi là où tu es. Stand up where you are. Nous allons prier et implorer le feu maintenant de Dieu. We're going to pray and call out God's fire. Le feu de Dieu. Nous avons besoin du feu de Dieu. Les jours de la Pentecôte, le feu de Dieu est descendu. We need the fire of God. Le feu est descendu. Let the fire come down. Le feu est descendu. Let the fire come down. Et ce feu and this fire peut descendre maintenant dans ta vie. Come down right now in your life. Tu as besoin de ce feu. Lève ta main droite. Lift up your right hand. Lève ta main droite en signe d'abandon. Les yeux fermés. Bien-aimés, nous avons besoin du feu. We need fire. Nous avons besoin du feu. Ça c'est la volonté de notre Dieu. Dieu dit qu'il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. God says he's made his servants flames of fire. Il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. He's made his servants quand flames le feu de fire. Dieu descend, when the fire of God là où il trouve des choses négatives, things, le feu de Dieu consume ça. Le feu de Dieu brise le chêne. Consume le lien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis ça avec moi. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je sais. I know que l'église a commencé par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu fais de tes âmes, des esprits, mais de tes serviteurs, une flamme de feu. Une flamme de feu. Seigneur, change ma vie. Transforme-moi par ton feu. Par ton feu. Je viens invoquer ton feu. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Brise le chêne, brise la malédiction, brise les choses.
Chancel. He will not allow even your foot to be harmed. Oui. Yes.
Il est notre protection. He is our protection. Je déclare. We declare. Protéger cette assemblée. For this church. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois réellement une flamme de feu. Be a true flame of fire. Qui est la différence à partir d'aujourd'hui. Let there be a difference from today. Et dans ces 7 jours de prière de 5h à 6h. 7 days of prayer. Que des vies soient transformées. Let their lives be transformed. Que des délivrances opèrent. Let deliverance be operated. Et cela dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Toute personne qui est venue malade. Each person that came sick. J'invoque que le feu de Dieu de consumer cette maladie dans le nom de Jésus. Que cette maladie te libère au nom de Jésus. Que la puissance de ces maîtrisiers amène la guérison et le miracle au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Tu es béni. Je dis tu es béni. Amen. Tu es béni, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis, acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci. Tu peux... Thank you very much. Wow. Dis à ton frère, à ta soeur, garde cette flamme. Keep this flame. Garde cette flamme. Keep this flame. Amen. Amen. Voilà, nous tendons vers la fin. We're at the end. A few announcements. Amen. Amen. Oh, thank you. Thank you, Jesus. C'est le temps où tu vas mettre le sacrifice ou ton offrande, ta dîme. It's the time you're going to do your sacrifice. Your offering is your time. Mais prépare cela. Prepare this. Si tu n'as pas une enveloppe, tu peux demander. Il y a notre jolie maman qui est à côté. If you don't have an envelope, ask the Asha. Pendant qu'on se prépare pour l'offrande, je donne les annonces. As you prepare, Pastor gives the announcements. Le dimanche prochain, je vais donner la précision pour le culte de mercredi. Je crois que je vais rencontrer ces gens pour régler les problèmes de la salle. Next Sunday, we'll be able to give you an update regarding Wednesday service. Mais nous sommes ici chaque dimanche à partir de 14h30. But we meet every Sunday from 1:30. Et les gens qui seront avec moi en ligne à 5h, n'oubliez pas, nous avons notre prière comme d'habitude de 22h chaque mardi et chaque jeudi. Là, nous maintenons la prière de mardi et mercredi à 22h. We still maintain our Tuesday and Thursday prayers from 10 p.m. That continues. Donc, prière la mission de salle à chaque mardi à 22h et jeudi à 22h continue, mais dans l'entretemps, semaine à l'hôpital Bandi chaque 5h à 6h. So, starting tomorrow, we're going to pray 5 to 6 and Thursdays and Tuesdays prayers continues. Amen. Amen. Rappelez-moi à la fin, je vais faire la prière pour la rentrée scolaire. We're going to pray for going back to school at the end of service. Et aussi nous aurons une dédicace de notre enfant. And we're going to dedicate a child. Je crois que vous remarquez, nous utilisons c'est la chair en bois ici. We're using this wood. Parce que notre chair était cassée. Because our glass one's broken. Je crois que d'ici là, nous allons récupérer cela. I believe we're going to